Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drekolo où on reprend notre petite aventure. Là on en était, on est avec Chobiti, on est avec Broudav, salut tous les deux. Salut. Hello. Et on démarre dans la petite salle d'attente, c'est parti. Je sais même plus trop ce qu'on faisait, je me souviens qu'on était passé dans la nouvelle zone. Mais ça fait quelques temps déjà. On avait fait 3 épisodes je crois avec la nouvelle zone déjà. Ouais c'est ça. Oula, il y a un fil électrique qui me tombe dessus. Ah. Alors, visiblement on était bien. On était dans une île en train de la nettoyer. Ah ouais, moi j'étais sur place, je sais plus pourquoi. Visiblement on manque juste un chouille de divertissement, mais on est plein. Et il y a un truc dans 8 minutes. Qu'est-ce que je foutais là? Et mince, dans les options, je ne peux plus modifier mes... Alors, c'était quoi dans les curios? C'est les curios, bah 3, oui. Et pourquoi ils refusent de les sélectionner? Ah oui, alors oui, il y a un patch qui est sorti pour le jeu, qui permet effectivement de... Ah bah non, mais faut passer en QWERTY, c'est obligé. Parce que en QWERTY, t'as pas besoin de faire Shift pour avoir 3. Ok, bon bah je reset toutes mes touches. Ouais, je reset aussi. Tire Auto Windows, je remets mon QWERTY et c'est réglé normalement. Ouais. Effectivement, il y a eu un patch pour pouvoir personnaliser les touches, du coup on a fait son à l'arrache un peu avant le début là, du truc, mais je crains que ça pose un peu souci. Bon bah je vois qu'il y a plein de petits camions là où vous êtes, du coup je vais aller les récupérer en speed. Il y a aussi plein de mobs encore qui traînent. Ouais, il y a encore pas mal de racines aussi à nettoyer. Alors on pourrait aller choper ce camion là, ça me paraîtrait pas mal. Il faut pas oublier le raid hein, dans 7 minutes 30. Ouais mais c'est pour ça, je me voyais pas pouvoir ôter 8 minutes au camp, donc je me suis dit que... Mais t'as déjà relié ce camion là? Ils sont reliés entre eux en fait, c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait deux camions reliés entre eux, je me suis dit que j'allais venir compléter. Monsieur a faim de ressources. Toujours. Plus de ressources. Bon, en même temps là on peut rien construire donc bon dans le contexte voilà mais... Qui c'est qui m'a vu? Ah putain, saloperie. Merde, c'est pas la bonne arme ça. J'ai un arc. J'ai pas d'arc. C'est embêtant. Foutu loup là. Merci de mourir. Voilà, ça c'est fait. Toujours pas de régène, ça c'est un peu chiant par contre. Nickel. Il reste une seule ronce à trouver. Ouais. Moi je fais le tour de la plage. Ah on est trop loin, dommage. Vous voulez que j'envoie un petit... Bon, je pense pas que ça soit la peine. On va bien la trouver en farfouillant un peu. Ouais, je la vois pas non plus d'ici. Non, c'est pas ça qu'il faut. En tout cas, moi j'ai fait le tour de la plage et je ne la trouve pas. Donc elle doit être à l'intérieur des terres. C'est relié, si jamais vous voulez rentrer au camp, on a un chemin. Cool. J'avoue, est-ce qu'elle est? Je crois que je vais craquer et utiliser une baguette de sorcier.
Bah ouais. Elle est planquée dans un coin, ça doit être une toute petite quelque part. Ça découvre aussi les ronces, la baguette de sorcier. Ouais. Ouais, ça hein, te met un symbole de ronce. Ah, bah je n'ai pas eu de symbole de ronce. Ah, un arc. Merci, Brodaf. De rien. T'en cherchais un, je crois. Ouais, exactement. J'en avais plus de potable. Ah, je l'ai trouvé, elle est là. Près du camion jaune. Ah, il y a aussi un coffre là, au niveau du camion, a priori. Fais gaffe, il affiche les coffres comme camion. Les camions comme coffres. Bah alors, c'était ça alors. Pardon. Du coup, si vous allez près du camion jaune de pièces métalliques, y avait le coffre purifié qui était juste là. Je sais pas s'il a laissé du loot pour vous. Non, oh, j'en vois pas là. Ah bah, il a dû rien laisser pour vous alors. Le camion. Il y a du favoritisme, moi je dis. Hein. Ouais. Pour la peine, moi je retourne au camp. Me soigner un peu. Pour le raid. T'as pas fait de piège sur cette map là. Comment ça de piège? Il suffit de suivre vers où vont les livraisons, c'est facile. Ah, je t'ai pas suivi comme il fallait. Ah, je suis pas sûr d'avoir suivi ce qu'il fallait non plus en fait. au secours. Non, je suis pas au bon endroit. Au moins. Alors, on avait quoi? On avait l'électricité. Ici, on avait une petite piste de danse. Fallait qu'on fasse monter des gens de niveau, je pense, pour débloquer un petit peu plus de trucs. Après, si on démonte ces ballons, les ballons c'est. Mais j'arrive pas! C'est 4, et ça c'est 20. Un ballon c'est 2 de budget, et une piste de danse c'est combien? C'est 6 de budget, hein. Bah oui, on a carrément intérêt à les démonter. Ah, écoute. Là dans le contexte. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que je t'ai pas entendu dans le micro effectivement à Chobiti. Ah merde. Là je t'ai entendu. Alors ouais, on a peut-être notre connexion qui galère un petit peu. Hop là, voilà, parfait. Et hop, passer de 12 à 20, ça devrait le faire. Alors il faut que je me soigne un petit peu avant le. L'attaque si possible. On fait grandir les dragueurs. Ah le monter de niveau juste avant l'attaque, je sais pas si c'était une bonne idée. Enfin, voilà, j'arrête de toute façon, hein, c'est pas la question. Mais... Je fais la même à chaque fois, j'ai la flemme d'attendre. Tac, on a plus de graines, il nous faut des graines. Pommes de pin, non, ça ne sert à rien des pommes de pin. Des graines de chou, voilà, parfait. Ah, c'est la teuf là, tout le monde grandit. Oh bah. J'utilise les cristaux que je gagne. Je vois, je vois. Alors, elle est où la serre? Est-ce que. Je l'ai rechargé la serre, c'est bon. Ah. Bah alors, je vais te mettre les graines dans le coffre. Faut qu'on relie ça. Est-ce que ça va suffire avec ce qu'on a à nouveau maintenant? T'as rien relié du tout. Hein. Tu n'as rien relié du tout, jeu. D'accord, j'ai l'impression qu'il galère là. Piste de danse. Dans l'autre sens, voilà. Alors, c'est suffisant, bah c'est plutôt cool. On est à 64 57, 56 sur 46, 52 sur 46, ah on est large. On peut alimenter encore au moins un voire deux dragors. Il en restait à ramasser sur cette map ah oui, il en reste deux tout en bas là, avec des plans en plus. Bon bah notre prochaine île est toute trouvée.
Et il va le temps de se mettre au branle-bas de combat, les gens là. Un petit dragoire sur qui taper. Tiens-toi. Boum, allez hop. Au taf. Allez, on rentre. Allez. Vite que ça. Non, il veut pas. Ah si, voilà, ça y est, il est rentré dedans. Parfait. L'autre bunker, là. Toi, là. En avant. Mais non, tu vas où? Bon, déjà, tu vas monter de niveau. Ah non, on peut et pas. Et c'est parti. Il est resté dedans, lui? Oh putain, non, il est reparti. Si vous fonciez un peu, protégez votre propre camp, les gars. 33! Ah bah oui, hein. C'est pour ça que je voulais qu'ils y aillent, là, hein, mais ils veulent pas. Ils jouent la glande. Allez! Sérieux? Ça y est, il se bouge. Aïe. Bon, ça fait le taf, les petits bunkers là. Ils galèrent un peu à aller dedans, mais une fois qu'ils sont... Mince ! Quitté, toi. Là, qu'ils sont rentrés ? Non. Non, mais je me suis planté, j'étais en train de choper un dragor. Ah, ça joue. Alors que j'avais un ennemi à côté de moi. Ah, ils ont cassé une barrière. J'ai deux gros trackers là, level 12. Parfait. Bon, du coup, petite session de réparation. On va peut-être pouvoir faire un petit bunker à la place de du truc qu'ils ont pété là. Alors, défense, oui. Hop là. Merde, je vois plus où est-ce qu'il faut la mettre la barrière. Alors, faut mettre les barrières assez loin des bunkers, sinon ils se font taper dessus. Voilà. Et du coup celle-là, on la démonte. Ouf, à cette barrière il reste pas grand chose en capette. Ça y est, t'as fait le tour dans le sens. Mais parfait. Ah, j'ai marqué une petite île si vous voulez. Pour se rapprocher des dragors qui nous restent à récupérer. Mince, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai détruit le truc de bouffe. Quoi? Oui, ah, le chaudron. Oh, ça va. Le chaudron, je suis en train de le reposer là. D'ailleurs, on a eu de nouveaux bâtiments. Oui, c'est vrai, vu qu'on a monté de niveau. On peut dé. Alors, on a une balançoire. Ouais, c'est assez fun les balançoires. On n'a rien eu de trop fifou pour l'instant. Enfin, en termes d'optimisation, j'entends. Le jacuzzi. Le jacuzzi, il va devenir pas mal, le jacuzzi, mais... Il faut qu'on récupère d'autres dragors avant. Le broyeur rotatif. On peut faire un portail. Tout naze.
Les portails, c'est chiant. En fait, quand t'arrives dans le mauvais sens, les portes, t'arrives dans la tronche et ça te fait reculer. Une bobine Tesla, ça consomme de l'énergie au lieu d'en fournir? C'est bizarre, ça. C'est une défense. Ah, parce que c'est okay. Une défense et électrocute les ennemis. En fait, il faut prendre le chemin de petits cristaux pour aller là où je voulais aller. Est-ce qu'on construirait pas des moulins? Non, t'en as déjà construit. Normalement, si tu regardes, éventuellement, on pourrait mettre un peu plus d'eau, mais il n'y a pas d'urgence. Ah non, je t'ai dit dans le sens, machin. Hop là. Tiens, il y avait des petites baies ici. J'ai pris le bon sens. Faut aller sur ton arc. Je sais pas, je te suis moi. Moi. Ouais. J'ai l'impression que c'est le... Je suis pas sûr que ça soit le bon. Moi non plus. Je viens de vous chercher. Pas de soucis. On arrive normalement. Normalement on arrive si on a bien suivi le truc. Ouais, c'est le bon. En tout cas, Chobiti vient de la croiser. Et je viens de te croiser toi aussi. Parfait. Hop là. Oh, des paix. Et oui, ça pousse. T'as vu, il y a un coffre au milieu de l'éther. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une île de l'autre côté. C'est quoi comme coffre? C'est un sac de sport? Ah non, le coffre qui est là-bas, là? Oui. Allez, go. Allez hop, on enchaîne. Reste une seconde. Ah, vous m'avez... Qu'est-ce que vous faites à tourner autour de la racine? Non mais c'est parce que j'entends Chobit qui se coince là et t'es en train de faire puf 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 sur la racine. Moi j'essaye de vous récupérer, je vais tourner autour de la racine au fur et à mesure. Vous vouliez vous débarrasser de moi? Mais non. Trop à notre genre. Bon niveau d'invasion là, c'est un peu flou. Ouais. Oh, il y a un repère. Ouais, il y a un repère. Ouais. Et c'est là que je me dis que je vais oublier d'aller voir Monsieur P pour chercher des munitions. Putain, il est costaud lui. Même les petits teigneux là, ils sont costauds, ouais. Aïe. Oh, toi. Ah, putain, voilà. C'est vrai qu'on a rien, toujours rien pour remonter la vie, donc... Ah putain, je suis paré le coup, quoi. Tu peux t'en fabriquer des trucs pour remonter la vie, hein, mais bon. Ouais, enfin, on a pas de... De régène. Ouais. Bon. Où est ton cadavre? Sans doute quelque part, non, c'est pas le bon ça. Si c'est le bon. Attends, on voit tellement rien en fantôme pour la 6. Ah oui. C'est bon, j'ai trouvé ton cadavre, ça tombe. Merci. Ah oui, j'ai un temps. Putain. Ah! Fumier qui me charge de dos là. Ah, t'aimes bien les armes à distance toi. Hein. Ouais. Putain, mais. Pas mourir hein, vache. C'est pas une vache, c'est un teigneux.
Merci de cette contribution. Ah, je suis mort. Alors, où est ta tombe, zut? Elle doit s'afficher sur la map, non? Ah oui, bah t'es... De toute façon, ouais, elle s'affiche avec le... Ça, le truc en haut. Ah oui, dans le mini radar en haut, là. Ouais. Bah, t'es juste à côté, je te laisse gérer. Merci, madame. Bah oui, parce que du coup, j'ai couru pour aller y aller. Mais de rien, cher monsieur. Voilà, moi je m'occupe de récurer les chiottes. Ah, il m'a mangé, le repère. Je suis morte, il m'a recraché. Ah ouais, mince. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, je te rends l'appareil. Si. Et un petit plan, ça fait plaisir. Du coup, j'ai l'impression... Ah si, il y a quand même deux camions. Il y a deux camions. Ok, tout. Est-ce qu'on en a vraiment besoin des camions? Non, c'est surtout pour avoir un chemin pour rentrer plus vite. Hein. Mais réellement, je pense qu'il faudrait qu'on aille sur l'île. Je viens de marquer là. Il y a un petit dragon à récupérer. Oh, celle du coup. Soigner un coup. Voilà. Je vous attends sur la plage. T'as plus tes abeilles, Chobiti? Non. Elle a eu le succès? Oui. C'est ça en plus. Allez, go. Bah, y a quand même des choses un peu plus... C'est marrant les abeilles, mais y a des choses un peu plus utiles. Alors, en l'occurrence, on n'a pas grand chose de plus utile en termes d'offensif pour l'instant, faut avouer. Bah c'est clair que on n'a pas non plus celui qui rajoute des dégâts électriques ou des dégâts de feu, ce serait bien aussi. Achou-chou. Ouais, on a pas de truc qui augmente les dégâts, pas de rajoute de dégâts élémentaires. Il est où le petit chien là? Un chien? Ah. Je sais pas trop comment t'appelles ça autrement. Bam! Entre les ronces. Rapide. Rapide, reptile, la petite saloperie, merde, c'est quoi qui m'a détecté? Ah, un loup. Oui. GG. 10% de résistance des armes, tiens. Ah, y'a un plan là-haut. On se fait un peu attaquer. Bien sûr, on ne peut pas prendre l'échelle, hein. Ce petit caillou pour sauter. Ah, c'est cool, on a passé le niveau qui permet d'avoir les armes violettes. Ah, bah c'est pour ça qu'on fait plus de dégâts aux monstres. Je comprends mieux. Avant, on va y aller avec le bon gros marteau des familles. Alors ici on a un camion de caillasse. C'est juste une impression, mais par rapport à la première zone, je trouve qu'on trouve beaucoup plus de camions.
Possible, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. Après la première zone, j'avais quand même passé pas mal de temps à les dérelier, donc on en avait quand même trouvé quelques-uns. Oui, oui, tout à fait, mais... t'étais où quand t'as purifié la dernière île? Enfin, la dernière zone. Là où je suis actuellement, je n'ai pas bougé. Ok, j'arrive. Le coffre était apparu sur un caillou, là. Et il reste une note qui doit traîner quelque part sur un train. Non, elle est sur le tout. Je trouve pas de... Alors, quand je dis train, en général, Chobiti, ça veut dire que je parle de tout chou, effectivement. Alors, lire la page de Sarah Howe. Ma curiosité m'a toujours attiré des ennuis et c'est probablement ce qui m'a mené ici, dans cet endroit étrange. Mais j'ai toujours été d'une nature observatrice. Je prête attention à ce qui m'entoure et je suis frappé par la façon qu'ont ce monde et ses habitants de s'épanouir, même dans les heures les plus sombres. C'est ce qui m'a poussé à devenir soignante et à aider à donner la vie. Voilà que mes sauveurs changent, je suis déterminé à leur rendre leur vitalité. Bon, est-ce qu'on retourne là-bas? Est-ce que je relis le camion histoire qu'on ait un petit trajet plus rapide? Enfin, juste un camion, ça va coûter cher. La question, c'est qu'est-ce qui va me coûter moins cher? Qu'on retourne avec des égides, qu'on retourne avec autre chose? Ah bah clairement, les égides, ça coûte moins cher. On reviendra plus jamais ici. Je vous attends sur la plage, si vous voulez. On a tout looté ici. Ouais, il reste que des champignons. Je pense qu'on peut se faire les deux îles. Par contre, il va y avoir un sacré gap à traverser dans les terres là. Mais on peut se faire les deux îles sans. Avant la prochaine invasion. Là. Deux îles de droite où il y a le dragon. J'arrive. Non, mais oui, mais les deux qui sont à côté du dragon. Off course, il y en a trois. Allez, go! Je passe à droite. Non, à gauche, ok, très bien, à gauche. L'autre ton autre droite. Alors, par contre, là, il va falloir courir sacrément loin dans les terres. Mais ça se fait, je pense. Si on veut pas se taper le détour. De toute façon, au pire, j'ai aussi des égides. Hein. Ouais, j'en ai 5. On va pouvoir passer par la petite voiture qui est là-bas, là. Ouais, à gauche. Oui. Donc à gauche. La gauche, à gauche du pont qui est tombé, là. Celle gauche, là. L'autre droite. Voilà, l'autre droite. Allez, go. Que dalle. Nickel. Allez, on enchaîne. Ça valait le coup. On va passer sur la gauche, là, des racines. Allez, tout droit. 4, allez, il va falloir une dernière. 3, 2, 1. Hop là. Et on est rendu. C'est l'île de la quête ou pas? Non, absolument pas. Vous l'avez pas le marqueur de quête? Et comment qu'il est? Peut-être. J'ai pas. Trouver la demeure, c'est tout ce que j'ai. Et t'as pas un petit point d'exclamation jaune là à 1100 mètres très loin? Ah, si. Si, si. Quand je regarde sur la map, si. Donc, du coup, c'est assez loin. Normalement, elle est plein nord, je crois, la demeure. Ah, il y a une note dans les toilettes. Parfait. Toilettes? Eh bah oui, c'est dire d'autres. Message de Sarah Howe, les gemmes. Lorsque je les touche, les plantes m'offrent des gemmes comme un don du ciel. Elles sont véritablement splendides. Si j'en gardais quelques-unes dans ma poche et que je parvenais à rentrer chez moi, je pourrais devenir riche et ne jamais manquer de rien. Mais le temps passe et je ne vois pas comment rentrer. Ici, ce sont les ciels, le renard, l'oiseau et les plantes qui font ma fortune. Il n'y a pas d'étage à cette maison? Il y a un étage, mais j'ai déjà paumé. Il y a un sous-sol aussi. Ah, il y a un plan dans le sous-sol, parfait. C'est un sous-sol pas très sécurisé.
Ouais, c'est un sous-sol plutôt ouvert. Ouais. On a récupéré un plan, rien que pour ça c'était rentable. Bien joué, Bourdeuf. Il y a un coffre ici, ouais. Oh, des chaussures montantes. Ah, cool. Allez hop, on va les mettre. Ah merde, il y a encore des meubles. Tiens. Je te saute dessus à pieds joints, ça t'apprendra. Il nous reste quoi à prendre ici par contre. Ouh, il y a encore pas mal de trucs à récupérer. Ah, il reste deux voitures là. Je fouille de ce pas. Je crois que les gens, ils avaient pas compris. Ils ont laissé des cartons. Ah, il y a un plan sur le... sur le petit auvent de la maison, là, je l'ai vu. Il y a une note aussi à l'entrée. Le journal du noble Mazon. Chute dans le holo. Nous avons suivi la piste tard dans la nuit, mile après mile, à la lueur vacillante des torches. Aux alentours de l'heure du diable, nous l'avons perdu, une inquiétude de brume s'est levée. Nous avons poursuivi nos efforts, perçant des voix autour de nous, et passant malgré nous une frontière liminale. Égarés, nous sommes entrés dans le monde invisible. Tout un programme. Ah bah t'as trouvé ces Chobiti. Oui, j'ai trouvé le plan, mais j'arrive pas à re-rentrer dans la maison. Bah, et écoute, je viens de débloquer un succès, archiviste du dimanche, avec ta note. Ah, cool. Parce que... ah, bah du coup, c'est la découverte de notes sont comme... Non, non, c'est que je suis passé derrière et je l'ai ouverte. Bah, il y en a une ici aussi, de notes. Dans la maison. Dans les toilettes ou une autre? Non, une autre. Ah, une troisième. Lorsque je les touche, les plantes m'offrent des gemmes. Comme un don du ciel, elles sont véritablement splendides. Si j'en gardais quelques-unes dans ma poche et que je parvenais à rentrer chez moi, je pourrais devenir riche et ne jamais manquer de rien. Mais le temps passe et je ne vois pas comment rentrer. Ici, ce sont le ciel, le renard et l'oiseau. Ah, c'est celle que t'avais lue. Le renard, l'oiseau et les plantes qui font ma fortune. Alors t'étais où, Chobiti, je te retrouve. Je suis ici. Ici, je te tiens. Encore le noble Mazon ici. Face à notre perte, j'ai bien du mal à cacher ma main tremblante aux autres. Je crains que notre traque nous ait mené à notre perte. C'est dur ces phrases. En ce lieu, nous sommes seuls, loin des nôtres et de notre foi. Nous devons notre survie à d'absurdes créatures à la peau d'écorce qui se passent leur temps à rire et à entonner des chants idiots. Elles nous couvrent au présent, mais je ne suis pas naïf. Leurs intentions ne peuvent être que maléfiques. J'aime bien entre ces deux personnages voir la différence, comment ils voient le monde de manière différente, c'est marrant. Ouais. Ils ont très bien réussi, je trouve, l'inquisiteur complètement... au bûcher et... C'est un peu ça, ouais. Bah, en même temps, je sais plus si on l'a eu dans cette partie ou pas, il y a une note qui le montre vraiment, quoi. Il y a une note en mode... oui, Sarao, elle a refusé de coucher avec le prêtre. On sait bien que les sorcières sont comme ça, parce qu'on nous proposait l'absolution. Je me souviens de l'avoir lu, ouais. C'est une sorcière parce qu'elle a refusé de coucher avec le prêtre, ouais. Je me souviens de cette note. Ouais. Absolument horrible, quoi. Je vous attends sur la plage si vous voulez. Il y a un petit côté Monty Python, tu sais, à comment découvrir que c'est une sorcière. Ouais, c'est un peu infect, ouais. Ah non, mais surtout qu'en plus, ça a probablement été une réalité à une époque. Ouais, enfin, un prêtre, il est pas censé coucher non plus, hein. Ah ouais, je sais bien, ouais. Allez, go. Mais t'as pas dit droite ou gauche ou... Enfin, chez les catholiques, du moins. Alors normalement il y a un dragon dans le coin. Aïe, elle m'a repoussé. Bien joué. Bon, je vais longer cette petite plage là, on peut passer ou pas? Ouais, vite fait. Hop là, ça passe. Ah, j'ai pas eu le temps d'enchaîner. Putain, il y en a un deuxième.
Eh, c'est quoi ah, ça? On peut faire une... Quand tu appuies sur espace et que tu tapes en même temps, ça fait un tout petit saut et un effet de zone sur le sol. Ouais. Ouais, en fait, tu peux, si tu leur tombes dessus ou tu leur remets des coups de pied, ça leur fait des dégâts, ouais. Ouais. Oups. Oula. Ah. Où est-ce que tu es? Putain, 700 mètres. Ah non, putain, c'est pas 700 mètres. J'arrive. Si j'arrive à le tuer avant, voilà. Ok. Mais ça doit être pour ça que je le vois pas sur mon marqueur, tu dois être devant. Merci! De rien. Je sens que tu vas devoir bientôt me rendre l'appareil. Ils sont costauds à ce point-là, les meubles, là? Ouais, quand... Disons qu'elle avait un gros tracker sur elle et qu'il m'a mis quand même quelques coups. C'est vrai que quand on... De toute façon, quand on est passé au niveau violet... Les armes bleues, elles font plus rien, quoi. Comment on monte? Par là? Bah c'est surtout qu'à la base on se tapait des racines différentes, un peu pas très loin l'un de l'autre, et là quand je l'ai vu mourir j'ai fait « Ah !» Oups. Parce que quand t'es à deux, il y en a un qui lock le monstre et l'autre qui lui tape dans le dos, quoi. Ne pas se foirer. Oups. Voilà là. Cette... Fuyez. Qu'est-ce que tu nous ramènes sur la tronche? Fuyez, pauvre fou. Je vous ramène rien sur la tronche, c'est pas mon genre. Oula. Ah, oula. Putain. Je me suis fait avoir. Ouais, là... C'était la ah mince, j'ai mis au camp, moi. Vous êtes morts tous les deux? Oui, on est morts tous les deux. Ouais, mais moi je me suis foiré, je me suis mis au camp, mais mine de rien, ils avaient plus à bouffer. Oula, c'était quoi cette grosse explosion, là? C'était moi. Vache. Mais j'ai pas très bien visé. Qu'est-ce que t'as... Ça existe, les grenades, dans ce jeu? Les mines de proximité, ouais. T'as foutu une mine. Jamais bah. Testé. C'est les mieux pour les embuscades, mais faut réussir à la mettre au bon moment, en fait. On est démon ou on ne l'est pas, hein. C'est vrai que il faut tenir son rôle. C'est important. À pas faire dans la dentelle, hein. Ah putain, les ronces me bloquent. Je suis bientôt arrivé à Chobiti, donc... T'as surveillé le temps, au fait, le signe Ouais, il faut qu'on arrête là. Quand j'aurai ressuscité, je pense... ouais, ça me semblait bien. Ah merde, c'est de l'autre côté du petit bras, là, de terre. Il y a un fucking loup juste à côté de moi, comme par hasard. Ah, c'est le petit nouveau, il est gris. Allez, on va se mettre ici. Hop, là, et on va faire... Le petit message de fin du coup, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit massage, à nous dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Un massage. Salut. Salut.